Vous avez tous entendu dire au moins une fois, et plusieurs pour pas mal d'entre vous, que je rêvais de faire de Génopôle un lieu où la recherche académique et industrielle s'organise depuis la paillasse la plus fondamentale jusqu'au lit du malade. Avec le CRCT et bien entendu avec le CHSF, le Centre hospitalier sud francilien, n'est-ce pas Jean-Michel, nous concrétisons aujourd'hui ce rêve et nous achevons la construction d'une chaîne de valeur thérapeutique qui va de la recherche la plus fondamentale jusqu'au patient. On me demande d'ailleurs souvent ce qu'est la recherche translationnelle. C'est quoi ce mot nouveau? C'est bien là, on va le savoir. Voilà, enfin j'espère que ce sera clair. Je vais donc en donner une version simplifiée. Si vous regardez dans le web, vous en avez 36 versions et toutes aussi peu claires les unes que les autres. Alors chacun peut comprendre que lorsqu'on fait une découverte à vocation médicale, elle doit évidemment être appliquée le plus vite possible chez le malade. C'est là une dimension éthique que personne ne peut contester. Mais chacun peut aussi comprendre qu'avant toute utilisation chez l'homme, surtout d'un nouveau traitement, il faille prendre quelques précautions. Le futur centre de recherche clinique et translationnelle dont vous allez poser dans un instant la première pierre représente un investissement de 16,5 millions d'euros, dont 10 millions de la région Île-de-France, 5 millions du Conseil général et 1 500 000 du Fonds européen FEDER. Et ce centre, oui c'est pas mal, hein, ce centre s'impose tout particulièrement à Génopôle, dont nous souhaitons qu'il devienne une capitale de ce que j'appelle, que nous appelons ici à Évry, la géno-biomédecine. Alors c'est quoi cette nouvelle aussi nom que nous souhaitons voir se populariser? C'est au fond le regroupement de plusieurs approches que vous connaissez tous, la thérapie génique, pour les maladies génétiques rares, mais aussi pour d'autres pathologies. L'approche personnalisée sera la médecine de demain, génomique, génétique et moléculaire des grandes pathologies comme le cancer, probablement la première pathologie qui sera pour laquelle sera mise en place cette médecine personnalisée, qui démarre déjà fortement, mais aussi le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et puis le troisième volet de cette médecine, de cette génobiomédecine, c'est la thérapie cellulaire, celle qui va permettre d'ouvrir de nouveaux chapitres dans la médecine régénérative avec le développement récent, fulgurant, de ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes humaines, qu'elles soient induites ou embryonnaires. Et là, il y a des enjeux très considérables avec des solutions possibles pour des pathologies très gravissimes jusque-là. Génopôle est situé sur le territoire d'Évry, ce qui me permet de saluer son maire et ami Francischois, celui de Corbeil. Merci Jean-Pierre pour ton soutien fréquent. Il sera l'un des bioclusters où ces nouvelles approches de la médecine se développeront et pour lesquelles le centre que nous construisons sera indispensable. Au fond, c'est le chaînon manquant dans cette ambition. Génopôle Évry-Corbeil sera l'un des rares endroits en France où l'on pourra discuter avec des chercheurs de recherche très fondamentale, y aller à pied, juste à côté, travailler au lit du malade avec les médecins, disposer de centres de bioproduction, juste ici, bénéficier des résultats des entreprises innovantes, et développer, je n'oublie pas, les formations du futur, celles de l'université d'Évry, bien sûr, celle du cher Philippe que j'ai vu tout à l'heure, d'accord, derrière moi, mais celle aussi de nos amis de Saclay, merci Jacques de t'être déplacé jusqu'ici, qui évidemment auront des missions très complémentaires des nôtres, celle de l'hôpital, qui vont se mettre en place aussi très fréquemment, et puis le futur centre de l'IMT qui sera ici ouvert dans un an et que nous inaugurerons dans un instant. C'est les travaux pratiques de la rentrée des classes. Hier soir, non? Non, non. Ils l'ont mis au dernier moment pour pas que ça soit trop dur. Ouais, ouais bah dis donc, c'était... Vous êtes bon, hein? Bien pris, là. Regarde, tu fais la jonction entre... Bravo, Gio. Voilà, bravo, Gio. Ah oui, ça va tenir, là? Tu laisses un vide à gauche, quand même. Hein. Enfin, non, c'est à droite, ça va. C'est pas dans mes habitudes. Faut que c'est retourné. Ah, c'est bien fait, c'est vraiment ça. Admirable. Bravo. Bravo. Très bien. C'est vous qui faut remarquable. Ici, c'est un enjeu majeur, hein, parce que c'est vrai que si on peut un jour, et moi j'en rêve depuis longtemps, et même la première fois quand on a ouvert ces locaux avec Claude Allègre et Jospin à l'époque, l'idée qu'on pourrait dire qu'un jour le cancer va être vaincu par des thérapies géniques, c'est quand même ça, c'est un bouleversement.